Hello, bonjour à tous. Aujourd'hui dans la vidéo de maintenant, nous avons une affaire qui assez avancée, qui s'appelle Data Frame. Ça c'est un magama de mèche qui a vraiment un message genre comme ça, ouais, pour m'arrêter progresser par rapport à ça, et qui a raison. Mais moi j'ai marre envie que ce sujet là, mais j'ai une affaire qui pas évident pour causer parce que je m'a récompensé, mais j'ai envie de faire mal d'autres vidéos, que nous causons mal d'autres affaires, que tu gardes l'idée de gagner comment été avant que nous redonne un sujet qui m'a deep. Bon, sans tarder, Data Frame là qui est déjà dans Tekken. Tekken, de bien comprendre les affaires, c'est que les NZ que tu es à 60 FPS là-dedans. Je suis là pas pour aller plus que 60 FPS. Qui fait? Parce qu'il y a certains qui m'ont quand je jouais. Quand je jouais Tekken, mais je ne sais pas comment nous, peut-être divine, comment dire, mathématique. Je dis comme ça, ouais, mais vous faites telle attaque, il prend telle quantité seconde ou frame, si vous êtes et qu'il vous prend telle quantité damage, tout ça. Bon, cap, peut-être c'est pas mieux de pas connecter des FPS. FPS c'est frame par seconde. Frame par seconde c'est quand les images qui télévision envoyé par seconde. Donc, de basé le principe là, quand quelqu'un dit jouer 60 FPS et que ça que l'attaque n'est pas à plus que ça. Du coup, qui est arrivé là-dedans, et normalement l'attaque, comment dit mon guetté, de finir trouver déjà ça, c'est une attaque comme dans FPS, tant. Mais bon, pas rien à cause de personne n'a pas calculé ça. Il y a un site qui déjà donne tout ça là détaillé. Vous pouvez mettre le lien là dans la description ou dans le commentaire plus tard. Donc, ça qui est arrivé ici, quand tu fais un. Quand tu fais un mouvement, il vous prend tant FPS pour faire ce mouvement là. Du coup. Voilà mon pourquoi dans cette affaire qui appelle animation là. Je le rappelle tout le temps, je disais à quand ce caractère aliment bleu quand il fait une attaque. Mais ça, c'est juste quand ce caractère prend les temps pour y rentrer dans ce god. Ça qui veut dire, le mouvement n'a pas il a aucun impact par rapport à ça. Par contre, si je refais une attaque longue portée, comme ça. Ça, l'état qu'il devait prendre pour les revenir dans cette position là, c'est ça même qui lui vient de vélo FPS le plus souvent. Et bien, nous avons servi ça contre nous. À ce là, un FPS, ce qui est intéressant avec lui, c'est que quand se base sur l'eau là, ça finit qu'on est qu'il attaque rapide et qu'il attaque lente. Par exemple, nous prenons l'exemple Paul. Attends, me désactive Rage, comme ça de pour mieux comprendre lui. À cela avec Paul, quand on fait une attaque coup de poing normal, les 10 allument en blé pour les laps de temps. Comment se trouver là? Ou si on fait ça, ça les temps qui dérivent ce god, hein, les tickets. Par contre, si on fait l'attaque. Voilà, il prend plus les temps pour les revenir dans ce guard position. C'est par rapport à ça que le Jimuna qui a servi ça contre moi est il fait plus damage. Ou si le Jimuna une fin de l'attaque rapide ou long, que je vais prendre les temps pour les retourner dans ce guard position, mon cas faire n'importe quelle attaque. Pardon, mon cas faire n'importe quelle attaque. Et que par rapport à ça, il m'a fait un combo, fait un enchaînement, mais du moment qu'il finira dans sa. Quand il est en coulé, il m'a tapé là-dedans, il m'a fait un enchaînement. C'est ça que ça FPS a deviné pour autant. Et à savoir que, du moment qu'il a du moins rentre dans sa mode recovery là, et il pas encore revenu normal, tout l'attaque qu'il peut faire, il va encore bloquer non, il y en a. À moins si il fait un enchaînement de combo, là il y a l'autre affaire. Mais du moment qu'il va rentrer dans la recovery position, il n'y a pas faire non. Mais là, tout le monde, dans la compétition, quand tu pensais que c'était fini,
faire une combo, mais apparemment, ne pas chaque recovery potion, je finis déjà rentrer le command pour éviter qu'il me serve une punish contre Zut. Une punish, nous pourrons nous regretter plus tard qui était ça. Mais dans la vidéo là, il n'y a pas un tracas Zut. Donc, comment tu fais des Zut? Si me faire par exemple Pulse Dead Fist, le trouver quand c'est l'étang, il prend pour les taper. Il n'est pas pratique du tout. Mais l'avantage qui me gagne, c'est qu'il me gagne un step devant. Mais ça, c'est dans le combo, mon cas, c'est évident. Mais bon, là n'est pas la question. La question, c'est quand c'est l'étang qui l'IP prend, quand c'est FPS qui l'IP prend, pour lui faire sa coup de poing là. Disons, mon bébé, un professionnel, du moment qu'il peut trouver ça, il va finir qu'on est un dead fist qui va venir. Alors, c'est qu'il y a une autre affaire qui est intéressante, on appelle ça frame cancellation. Frame cancellation, il m'a rien pour autant. Je suis tous vers innocent. Et que là, j'ai plus de vin comment dire, l'immunisation de l'eau là. La living carrément l'autre du monde là. C'est-à-dire, si mon référent ça comme maintenant, mon reset, normalement, il fera step forward là, après il tape son coup de poing. Mais à la c'est trop long. Alors, comment on fait pour Jimmy et Lee? Oui, il est possible pour Jimmy, voilà. La main Jimmy et Lee carrément. Appelle ça frame cancellation. Donc, parce que, je vais faire quelques affaires dans Tekken et na mouvement, après ça, mouvement que tu commences à initier sur l'attaque là pour taper le caractère là dans ce hitbox. Et après ça, mouvement que tu fais damage là, c'est des affaires différentes. Hein. Donc, là, que tu inities un damage et que tu peux faire un damage là. Mais c'est quand même réduire les temps que tu peux initier là. C'est même qu'il y a le frame cancellation ça. C'est là même que tu deviens un peu plus le skill, comment dire, le manette là. Bon, à cette époque, ouais, mais. Comment faire ça? Mais assez simple, c'est bizarre. Pratiquer et faire mouvement là ou commande là rapide. Plus les autres font vite, plus les autres font rapidement dans ce là. Par exemple, là, si je fais les doucement, il fait ça. Mais si je fais les rapide, il même pas fait un faire step là que tu peux taper ce coup de poing et dire non carrément des fois, il va pouvoir atteindre, il peut disant que c'est un damage. Ça c'est frame cancellation. Et que le rapport aussi là, c'est assez tricky. C'est bizarre que ce caractère bien et aller à pratiquer ça move là. Pratiquer, pratiquer. Guetter qui move, c'est grave. Réduire ce frame rate pour devenir efficace. Ça c'est N. À ce moment-là, punish guetter ça. Punish, lui, c'est une attaque qui se casse servie durant que l'adversaire dans le mode recovery. Nous faisons un exemple là avec un Fang. Nous faisons lui faire. Voilà. Ça. Sorry, voilà. Ça l'attaque là, si vous manquez ce bon, allez. Par contre, même si vous calez pas grand chose, mais mon caractère, on te dit par contre, pas qu'il était. Ça, l'état que tu prends pour revenir à ce mode recovery énorme. Et c'est ce que mon cas à faire dedans, voilà. Tu as trouvé ma peniche en bas. La montée, voilà. Ça veut dire, du moment que tu fais ça, on existe faire ça attaque là, tu peux gagner ce damage. Chaque joueur est dans ce type de peniche. C'est bizarre, le rallye qui m'a pas envoyé cette là pour avoir toute information là. Et mon café éliminer le combo ici, si mon envie. Voilà. Allez, on prend l'exemple de l'autre attaque. Voilà, ça, peut-être. Ah non, c'est pas celui-là, sorry. Alors, c'est l'autre l'attaque. Voilà. Non. Toujours pas.
Voilà, ça. Vous trouvez? Du moins que ça m'open champ apparaît dans Training Mode, je finis que l'équipe de l'attaque peut rentrer 100%. Et que l'avocat cale ça. Et que les cabines plus vilaines, les cabines combo. Imagine, durant la fin du match, t'as fait comprendre qu'à arriver, il est bien vilain. Allez. Un dernier pour la route. Alors, ça fait. Non, non, non. Ah. Iron Paul, non plus. Voilà. Non, il va me faire libre pour ça parce que. Ah oui, pas tout l'attaque de Carapenish. Ça, c'est une chose à savoir. Voilà, ça qui me fait rôder. Pour mal contre l'attaque de Carapenish, ce qui est bizarre, dépasse un certain nombre de framerate. Comme tu fais tout à l'heure. Et du moment qu'il rentre dans ce recovery position, les LM de Carapenish profiter. Pour moi, ma meilleure attaque, c'est ma attaque contre les plus 10 framerate. Du moment qu'il est plus 10. Là, je vais servir mon attaque là. Les plus 10, mon vieux carré, c'est pas les plus 10 ou les minus 10. Plus c'est les minus 10. Et bon. Donc, là, je vais gagner toute mon information qui en détail, là, mon frame rate là. Je vais vous montrer le rapport là, mon combien pratiqué. Et que les maris complexes, parce que plus ça, plus le cas d'une vraie bonne attaque, de bien qu'on tout caractère. Zot framerate, qui l'attaque de sa vie plus souvent, qui l'attaque comme framerate qui fait, comme damage qui fait, et que par rapport à ça, les lats de boucaves tirent des affaires, une attaque ou un pari ou whatever, les lats de boucaves vraiment dire ouais, mon bon attaquant. Parce que là, du moment que c'est bien attaqué qu'on a un Jimon qui déjà qu'on a un caractère sur framerate et les chroniques. Qui m'a fait qui a fait comme ça machin lui vient bien vilain et du moins fini d'avance. Laisse moi raconter une histoire dans mon chat en compétition l'année passée durant ici Vietnam. Mon donne un bug pour dire que Tekken c'est carrément mathématique. On prend King contre lui, il me prend Claudio. C'était un match amical. À aucun moment, mon gars fait non, rien contre lui. Là, même j'allais comme ça, mais demain c'est Claudio. J'ai moi non, il peut tester l'écran. Mon étonné. Et quand durant le tournoi là, mon bataille, malheureusement pour moi, la libre semaine qui t'y fait. Et que ça, je ne vais pas oublier. Aucune attaque qui m'a fait avec King n'en est pas rentré parce que tout à fait qu'il m'a fait faire, il a un counter. À aucun moment, je ne suis trop mal en position d'avantage contre lui. Tout à fait qu'il m'a prise, qu'il est combo ou whatever, il utilise déjà une longueur d'avance au moins. Il finit qu'on est à l'époque ça, mais il peut faire ça, 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 ça. Ça, c'est mon fait une vidéo là après. Parce qu'il vous êtes assez gentil pour explique-moi le rapport là. Comment faire pour inventer mal affaire ou mal situation et qu'on nous retrouve dans la situation là, mais qui m'a qu'à faire pour prendre l'avantage. Ça, c'est pour dans mon vidéo à venir. Voilà, c'était ça qui m'a fait causer aujourd'hui le tutoriel Tekken. Nous raisonnons après. Parce que là, je pensais que je faisais un petit peu de Tekken et que je parle de Mortal Kombat un peu. Mortal Kombat 11. Si vous trouvez ce film sur l'histoire, vous trouvez bien intéressant avec un gameplay là, bien gros ces derniers temps. Ben, moi je vous souhaite pour la suite. Et bien sûr, je vais vous faire un live pour Mortal Kombat quand vous pouvez nous vous guetter ensemble, story mode là, comment il était et que ce sont les autres features. Allez, moi les autres, bye bye.